toutes et à tous. Alors, c'est une première pour moi. Mégane m'a persuadé de faire une vidéo. Alors, j'ai dit tant qu'à faire, on n'a qu'à faire les courses. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est un retour de course spécial fait par moi. Donc, il n'y a pas forcément... Enfin, je sais pas, on va voir ce que j'ai fait. On va voir si ça va lui convenir déjà. Donc, voilà. Donc, on va faire tout de suite le déballage des courses. Pour commencer, vous l'avez déjà vu, on a ramené avec Maë un bouquet de fleurs. Un petit bouquet de fleurs. Hein, c'était pour maman. Voilà. On a ramené un bouquet de fleurs pour maman. Après, du coup, on a ramené un deuxième bouquet de fleurs pour la maman de ta copine, de la voisine. Parce qu'elle t'emmène à l'école tous les matins. Donc, pour la remercier. Merci. Et on va passer aux courses. Alors, j'ai pris des yaourts. Alors, je me suis basé sur ce que je vois dans le frigo d'habitude. Malin, le lynx. Donc, du coup, ça m'a permis de prendre des produits que moi, je vois d'habitude. C'est vrai que c'est pas évident de faire les courses. Encore une fois, c'est chaud. Je pense qu'il faut penser à tout. Et du coup, c'est pas évident. Et oui, attends, mais je pense que c'est bien. Et on va peut-être essayer de le faire, de faire plutôt des repas à la semaine, savoir ce qu'on doit prendre et tout. Parce que quand on arrive sur les plats, les accompagnements, tout ce qui est à côté, bah, c'est pas évident. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Je lui dis à chaque fois, nous on y va tous ensemble. Enfin, je viens avec elle parce qu'avec les petits, c'est pas facile tout seul. Faut pas, voilà. Et moi, je le vois pas ça parce que je garde les petits. Et je vois pas tout ce qu'il y a à côté, je vois pas la gymnastique que ça demande. Je pense qu'elle a l'habitude, c'est pas pour dire, mais moi je m'en suis pas trop occupé des courses depuis 15 ans qu'on est ensemble. Je m'en suis jamais occupé, là c'est vraiment la première fois je pense où je fais les courses pour la semaine, pour la famille, tout seul, c'est pas évident. Donc je me suis basé sur des produits que je vois d'habitude. Après là, avec quelques petites envies quand même. Donc, des yaourts. C'est très bien. C'est très bien, Maë. Il s'amuse à découper un bout de carton. Voilà. En fait, ça, c'est pour les jours de la semaine. Exactement, c'est pour les jours de la semaine. Donc, merci, Maë. Des yaourts pour les petits. Voilà, des yaourts aux fruits. Alors, j'ai pris de la crème fraîche parce qu'on va faire des... Ça fait pas bien la mise au point, si. Hop là. Bon, de la crème fraîche pour une pizza au saumon. Je précise que j'ai fait les courses à Lidl. Hein. C'est moins vaste. Pour un début, c'est pas mal. De l'emmental. Pareil pour les pizzas. Alors, je sais pas trop si ça se met dessus, mais sinon ça servira dans les pâtes. Des avocats. Ouais, dans les pâtes. Mûr à point. Voilà, j'aime bien les avocats. On aime bien les avocats. Voilà. Alors, un petit chèvre pour faire des toasts ce soir parce qu'on a des invités. Donc on va faire des petits toasts. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris pour l'apéro des noix de cajou. Alors Mégane revient, m'a laissé faire le début tout seul. C'est pas mal, ça m'a fait... voilà, donc j'ai des choses. Tu regardes en même temps ce que j'ai mis de côté déjà. Comme j'ai dit, je me suis basé sur des produits que je vois d'habitude dans le frigo. C'est pratique. J'ai pris du chèvre frais cette fois, c'est pour faire... je sais pas, peut-être mettre sur la pizza au saumon ou faire une crème, quelque chose pour tremper ou mettre sur des petits toasts ce soir pour faire l'apéro. Alors j'ai une salade qui va faire voilà, une batavia, hein, juste pour à côté pour manger avec la pizza. J'ai pris des bananes. J'aime bien les bananes, on est bien les bananes. J'ai pris, alors je sais pas, de l'estragon, j'ai pas trouvé d'aneth pour mettre avec le saumon. Putain, mais il y a la mise au point, ça fait pas... Ah mais si, en fait ça fait la mise au point sur moi derrière. Je m'approche. Pas obligé de faire à chaque fois. Ça marche pas. C'était de l'estragon. Voilà. Hop. Un sac. Bon, j'ai pris un bain de bouche pour moi. Hein. Petit bain de bouche. J'ai pris. En fait, c'était une demande de Mégane. C'est ça? Filet de cabillaud. Oui. J'ai trouvé. Congelé. Surgelé. J'ai pris deux steaks hachés comme on a l'habitude de prendre. Des charolais pour les petits. Pas pour les petits ou pour nous. J'ai pris deux steaks hachés de veau. J'ai innové, des steaks hachés de veau. J'ai pris pour maman, de la Pink Lady, parce qu'elle aime bien les pommes en ce moment, c'est ça? Ben oui. Petit régime, et puis la Pink Lady, c'est la meilleure. Oui, voilà. Pour moi. C'est ça. J'ai essayé de penser un peu à tout le monde. La coleslaw, pour les entrées, la salade.
J'ai repris ça, on avait déjà pris. C'est trop bon. Porc avec des émincés de légumes, c'est pour faire avec du de la sauce soja ou machin. Alors j'ai repris de l'emmental parce que c'est pour. Ils se débrouillent bien, hein. Vous mettez des pouces pour dire qu'ils se débrouillent bien. Des coquillettes. Parce que j'aime bien les coquillettes. Des yaourts à boire, c'est ça, des bouteilles pour Maë. C'est des trucs que j'ai déjà vus. Ouais, ça va, c'est pas trop dur. Des poireaux. Ah, je me suis pas aventuré trop loin. Comme j'ai dit, Lidl pour une première, c'est pas trop vaste. C'est bien. Ah, j'ai pris deux baguettes aux céréales. Parce qu'on aime bien les céréales. J'ai pris du magret. D'accord. Alors, j'ai pris du jambon. J'ai pris deux paquets de jambon en fait pour les pizzas. Parce que si on en fait deux ou trois, j'ai pris du pavé de poulet sans os. En fait, c'est des cuisses. Et ben ça, j'avais jamais vu, tu vois. Sans os. Voilà. Encore des salades pour les entrées. Des salades piémontaises. J'ai pris des sauces provençales. Ouais. C'est pour la pizza en fait, parce qu'il n'y a pas sauce pizza à Lidl aussi. T'as pris ça? Ah, pizza, il y avait des. Ouais, mais il y avait des briques de sauce. Ouais, moi j'ai pris ça. J'en ai une qui me reste sinon. C'est pas parfait. Non, c'est pas parfait. J'ai pris des yaourts comme ça. Des yaourts fromage blanc. À la vanille. À la vanille. J'ai pris des œufs. Oui. J'ai pris des œufs. J'ai pris ça, des perles de lait pour toi. Oui. Pour maman, c'est pareil. Alors, apéro, je suis passé vite fait. Hein. Ouais, une tornade, j'ai pris ce qui passait sous la main. Du saumon pour la pizza au saumon, forcément, s'il n'y avait pas de saumon. Des sacs poubelles. Voilà. Alors ça, c'est Maë qui a choisi des chips au jambon. Au jambon. Et ben, jambon fromage. J'avais peur que ce soit piment, tu vois, au final. Des yaourts aux petites billes pour Maë. Il a dû prendre ce qu'il voulait quand même, non? Non, pas du tout, non, ils s'en foutaient. Enfin, ils s'en foutaient, je dirais, ils n'étaient pas trop intéressés. J'ai pris des myrtilles. Des myrtilles! Des petites myrtilles, comme ça, dans le bon sens. Maë a voulu prendre, c'était pour le goûter, mais il n'a pas eu le temps, du coup, un beignet, un petit beignet aux fruits. Et puis, il a pris son petit pain habituel, qu'il mange une fois sur deux. J'ai pris des petits pois carottes pour mettre avec le veau. Très bien. Pour ce soir, j'ai pris du nectar d'abricot. J'ai pris des mouchoirs. Voilà. Alors, il y a un autre paquet de mouchoirs, je ne sais même pas si j'ai pas déjà sorti. Des petits champignons pour faire avec le veau. J'ai dit, je vais faire une sauce au veau. Je vais faire une sauce au veau. Enfin, une sauce au veau, une sauce aux champignons. Des petites pastilles Vichy. Des cacahuètes. Des escalopes de dinde. Du Saint-Aguin, ça c'est pour moi. C'est... Voilà. J'ai pris ça, j'ai trouvé ça joli. Oh. Un lave-main, je sais pas si pour la prochaine fois, si j'ai trouvé ça joli, c'est un matelassé. Il a la victime maintenant, t'as vu papa? C'est tout doux. J'ai pris ça. Parce que ah, c'est il bon. En avait bah, j'en ai repris une parce que j'avais fait une soupe. C'est ça une... J'avais fait une soupe là, une butternut. Ouais, il y en a qui savaient pas ce que c'était. Et bah, c'est ça la butternut. Très c'est, voilà. Et c'est très bon, ça sent le butternut. Enfin, le butternut, d'accord. C'est. C'est encore du jambon, donc c'était pour les pizzas par rapport à tout à l'heure. J'ai pris ça pour mettre avec le chèvre, des petits bâtonnets à tremper, enfin à piquer dedans. Ah, j'ai pris une salade pour toi ou pour moi, pour le travail. Hein, voilà. J'ai pris ça, il n'y avait pas le même que ça, il n'y avait c'est pas. Pas grave. Aloe vera. Oui, mon sang. J'ai pris du jus de pomme. Et puis bah du coup j'ai pris les pizzas, pâte à pizza pour les pizzas ce soir. Parfait. J'ai pris du pain. Oui, voilà. Oui. Donc voilà. T'étais quand même à l'aise, ça va? Ça va? Oui. Oui, ça va. Il y a des trucs. Ouais, si, ça va. C'est bien, il y a de la viande et tout. Bah, j'ai pris de la viande, j'ai essayé de prendre des. Non, non, c'est bien. C'est pas trop mal. C'est bien débrouillé. Ouais. Donc voilà, c'était rigolo comme voilà. Petite souris, c'est ce que je vous disais la dernière fois. J'allais l'envoyer faire les courses, du coup, parce que je savais pas du tout ce qu'il allait prendre. Et puis, ça allait être. La surprise! Ça va, elle se débrouille bien. J'ai une conclure? Moi, j'ai pas conclure. Voilà, oui, elle est partie au médecin pour. Maë. Pour Maë, pour son sport. Un certificat médical. Donc voilà, et eh ben merci. Des petits pouces, plein de pouces. Faut s'abonner, c'est ça? Et puis, peut-être à une prochaine fois. Allez, bisous!